Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur ce nouveau live Histoire de cantine, donc qui est en lien avec notre exposition à table École et Alimentation. Donc, je vais attendre quelques instants que les personnes se connectent avant de commencer à vous raconter l'histoire de la toute première cantine mondiale, donc qui était une cantine bretonne. Donc, je vais attendre quelques instants. Donc, merci de me dire si tout fonctionne. Donc, j'ai changé de caméra, j'ai changé de micro. Donc vous voyez, on a une caméra avec un angle beaucoup plus grand, pardon. Donc j'espère que tout fonctionne bien. Bonjour Sophie. Donc est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? Merci. Merci de me répondre dans les commentaires. Donc je vois qu'il y a un petit peu plus de monde. Donc bienvenue à toutes et à tous sur ce live Histoire de cantine épisode 2, donc la fabuleuse histoire de la cantine de Lannion. Donc en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de la cantine de Lannion qui a été la toute première cantine scolaire au monde. Donc on va découvrir son histoire ensemble puisque c'est assez intéressant. Et donc voilà, la première cantine mondiale était bretonne. Donc je fais ce live dans le cadre de notre exposition à table École et Alimentation. Donc qui est visible au musée depuis le mois de juin et qui va rester en place au moins jusqu'au mois de décembre. Donc je vous invite vivement à aller la découvrir au musée de l'école. Donc merci Sophie. Donc ça fonctionne, c'est parfait. Alors est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que tout fonctionne pour tout le monde? Est-ce que la connexion fonctionne bien? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? Donc, je vais attendre encore quelques instants et ensuite je vais commencer à vous raconter donc cette histoire de la cantine de Lannion. Donc j'ai oublié de me présenter, hein. Donc, je suis Elsa, donc chargée de médiation au musée de l'école rurale en Bretagne. Et donc aujourd'hui, on va parler de cantine. Donc tout est bien au niveau de l'image et du son. On me voit bien, on m'entend bien. Tout va bien? Donc, je vais commencer à vous parler donc, de la cantine de Lannion. Donc, la toute première cantine a été ouverte en 1844 à Lannion à l'initiative d'Émile Depasse. Donc, c'était le maire de Lannion. Donc, pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte, Lannion, à l'époque, donc dans les années 1830-1840, était spécialisé dans la production de tissus. Mais en 1836, donc sous le gouvernement de Louis-Philippe, ils ont considérablement abaissé les droits de douane, donc au bénéfice des tissus anglais qui étaient de meilleure qualité et moins chers. Donc ça a plongé la Bretagne dans une énorme crise économique, hein, une crise économique sans précédent. Et donc le Trégor où se trouve Lannion a été plongé dans la misère. Donc, malgré l'activité de la pêche, mais qui n'était que saisonnière, donc ça, donc forcément, la région a été très touchée par cette crise. Donc à Lannion, à l'époque, la ville comptait 100 000 5 000 habitants, pardon, excusez-moi. Et sur les 5 000 habitants de Lannion, on estimait qu'il y avait environ 1 500 personnes très pauvres, donc nécessiteux. Donc en 1839, Émile Depasse, il est devenu maire de Lannion. Et face à l'urgence de la situation concernant la pauvreté, en fait, la pauvreté, justement, est au centre de ses préoccupations. Et du coup, il a créé un bureau de bienfaisance. Donc, il souhaitait vraiment, ça lui tenait à cœur, hein, de lutter contre la pauvreté. Et du coup, en 1843, il a créé ce qu'on appelle des salles d'asile. Et les salles d'asile, à l'époque, donc ça ne correspond pas aux asiles d'aujourd'hui, hein. Les salles d'asile, en fait, c'est simplement les ancêtres des écoles maternelles. Donc, on y accueillait les enfants de 2 à 7 ans, les enfants pauvres. Mais par contre, ça n'a pas vraiment rencontré de succès puisque les parents de ces enfants-là n'y voyaient pas trop d'intérêt. Donc, il y a peu de parents qui mettaient leurs enfants dans les salles d'asile. Donc, Émile Depasse, qu'est-ce qu'il a eu comme idée? Il s'est dit, si on offrait un repas gratuit aux enfants, peut-être que les enfants viendraient dans les parents les mettraient dans les salles d'asile. Par contre, comment mettre ça en place, comment offrir un repas aux enfants sans voilà donc comment il s'est organisé? Il a fait appel aux familles riches de Lannion, mais aussi aux agriculteurs et aux boulangers locaux
pour qu'il mette à disposition justement de la nourriture pour les enfants. Et comment il arrive à les convaincre? Il leur dit que si justement il paye pour que ces enfants-là puissent avoir à manger, ces enfants-là ne seront plus en train de mendier dans la ville, ils seront plus dans les rues de la ville à mendier, du coup ça donnera une meilleure image de la ville. Donc ils ont accepté, ils ont tous accepté justement de mettre en place ces cantines, alors qu'on n'appelait pas des cantines à l'époque, hein. La toute première cantine, donc on appelait soupe populaire, du coup, a ouvert en janvier 1844, donc à Lannion, et d'après nos recherches, c'est la toute première cantine au monde. Alors ça a été un succès, puisque dès les premiers jours, ils ont accueilli 150 enfants dans cette salle d'asile. Donc ça a été vraiment un grand succès. Les parents ont mis leurs enfants justement dans ces salles d'asile puisqu'ils bénéficiaient de repas. Donc justement, ils avaient deux repas par jour. Donc un repas à 10 heures, c'était une soupe accompagnée de viande. Et une fois par semaine, ils avaient des pommes de terre à volonté à 10 heures. Alors bonjour Virginie, bonjour Lydie. Et à 16 heures, donc ils avaient un deuxième repas qui était composé d'un potage et de pain. Donc ça a vraiment encouragé les familles à mettre leurs enfants dans les salles d'asile. Et en plus de leur offrir des repas, les salles d'asile en fait permettaient que les enfants reçoivent des soins et des vêtements aux frais de la municipalité. Donc en plus d'apporter des repas, forcément ça leur apportait d'autres choses. Évidemment, ils recevaient les bases de l'éducation. Donc ils apprenaient aussi à lire, à écrire. Mais évidemment, la discipline pour qu'ils puissent bah justement qu'ils arrêtent de mendier dans les rues et qu'ils se comportent correctement. Donc je vous ai dit tout à l'heure que les salles d'asile accueillaient les enfants de 2 à 7 ans. Donc une fois que les enfants ont 7 ans, donc les garçons étaient placés dans des institutions catholiques et les filles devenaient des ménagères et elles étaient placées dans des familles bourgeoises hein, pour faire le ménage et la cuisine. Alors, cette initiative locale qui est née donc à Lannion en 1844, elle a attiré l'attention dans le pays. Donc, à travers le pays, on a entendu parler hein, des salles d'asile et des soupes populaires d'Émile Despaces. Et donc, c'est monté jusqu'à Paris et donc ailleurs en France. Hein, donc, même le ministère de l'Instruction publique à l'époque en a entendu parler. Et du coup, Émile Despaces est monté à Paris pour présenter son projet. Expliquer son initiative devant les députés et le ministre qui écrit un rapport qui s'appelle Considération sur les salles d'asile. Donc l'idée, elle séduit, hein. On parle de servir la soupe populaire à tous les enfants pauvres du pays. Mais malheureusement pour Émile Despaces, son projet va un petit peu tomber aux oubliettes puisque la révolution en 1848 et la chute de la monarchie de Juillet enterrent complètement ses idées. Donc, il n'y a pas de fin heureuse pour le projet d'Émile Despaces, mais en tout cas, son idée a fait le tour du pays et on en a entendu parler. Donc, voici pour l'histoire de la toute première cantine au monde, donc qui est née à Lannion, hein, je le rappelle. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé. Alors, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vais rester quelques instants avec vous. Donc, bonjour Nadine. Donc vous avez vu en test notre nouvelle caméra. J'espère que le son est bon, parce que j'ai pas trop de retour là-dessus, mais je pense que oui. Enfin, on m'a dit connexion parfaite. Donc ça va. Par contre, l'angle, il est très grand, donc c'est difficile d'adapter le décor derrière. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, pour information, hein, le musée est ouvert tous les jours. Tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, jusqu'au 20 septembre, de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30, donc tous les jours. Donc je vais vous parler de nos prochains rendez-vous en live. Donc le prochain rendez-vous en live, c'est lundi 20 juillet, donc lundi prochain à 15h. Une bénévole de l'association, Madame Graal, viendra faire une démonstration d'exercice de couture du certificat d'études primaires. Ce sera diffusé en direct à 15h. Ensuite, le mercredi 22 juillet à 11h, je vous fais à nouveau une dictée. Donc, soyez prêts et prêtes, préparez vos cahiers, vos stylos. Et voilà, c'est pas parce que c'est l'été qu'on doit arrêter de travailler sans orthographe.
Et le mardi 28 juillet, donc à 15h, on aura aussi en live un atelier qui s'appelle Goûter autrement. Donc ce sera une démonstration culinaire par Séverine Lafarge qui est naturopathe. Donc ça aussi, ce sera diffusé en direct. Donc on en aura d'autres au mois d'août, hein, je vous les rappellerai en temps voulu. Donc merci d'avoir été présent pendant ce live. Merci aux fidèles d'être au rendez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si, pour la moindre question. Et je vous dis à très bientôt en live et sur les réseaux sociaux, donc tous les jours, Facebook, Twitter, Instagram. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.